Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Professeur Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Justin, bonjour tout le monde. Combattant de l'IDPS. Oui. Goma. Confirmé. Confirmé. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mercredi 29 novembre 2023. Oui. Tout va bien. Tout marche. Qu'est-ce qui se passe entre le pouvoir et l'Église catholique? En fait, c'est comme si l'Église catholique est énervée de la bonne gestion du pays par Félix. L'Église mère, il faut préciser. Mère ou sœur, je ne sais pas, frère ou comment, mais c'est l'Église catholique en RDC. En fait, les prélats catholiques, moi j'ai dit, ce sont des individus, pas toute l'Église, parce que moi-même je suis membre de cette Église-là. Mais certains prélats catholiques, à l'occurrence Chole et Yambongo, ils sont frustrés de l'élection le 20 décembre de Félix Tshisekedi. Comme il les a pulvérisés le premier mandat, ils se disent maintenant pendant encore 5 autres années, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est ça le seul problème qu'ils ont. Tshisekedi d'abord, vous savez Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait chez les catholiques? Chez les prélats, pas chez toute l'église, parce que moi-même suis membre de l'église, suis baptisé. Baptisé et marié à l'église catholique. Mais Ambongo, vous savez ce qu'on a arraché. Ce qu'Ambongo dit, c'est la vérité. Ce qu'on a arraché à Ambongo de sa bouche, c'est l'argent de la gratuité. C'est l'argent. La gratuité est venue fermer tous les robinets, tous les tuyaux, tous les tunnels et tous les canaux qui servaient de finances pour Ambongo. Ah, juste quand on a commencé avec le phénomène de gratuité, on est parti de découvrir que il y avait environ 19 000 écoles dans le seul réseau catholique qui étaient fictives et qui étaient servies chaque mois. Et imaginez maintenant tout cet argent on a remis au trésor public. Deuxième élément, l'argent que les parents payaient, à la tête de chaque enfant de l'école primaire, il y avait au moins un dollar du prélat, du cardinal. Alors imaginez tous les enfants dans toutes les écoles gérées par les catholiques, un dollar par mois, par trimestre. Vous imaginez un dollar par trimestre, par enfant. Dans toutes les écoles, c'est combien d'argent? Mais il se pourrait que même très loin, il y avait même des carrés minières qui étaient gérés par ce prélat-là. Et quand Félix Tshisekedi arrive au Vatican, il présente les dossiers devant le pape. Le pape dit, ça c'est une histoire que je ne connais même pas, que je n'ai jamais même appris. Comment moi avoir un carré minier en RDC, moi pape? Alors, cette histoire-là, il paraîtrait que cette histoire-là aussi est venue grignoter dans le cœur du prélat catholique qu'on appelle Fridolin Ambongo. Et comme c'est un système Fridolin, Chole, les autres, ils ont trouvé Tshisekedi un mauvais venu, pas un bienvenu, un mauvais venu à la gouvernance de l'Église, à la gouvernance de notre pays. Et bon, comme il y a toujours un début et une fin, moi je pense que l'Église catholique doit prendre la main, la patience et raisonner nation, raisonner congolais. Non, quand même l'Église catholique essaie un peu d'orienter la population et les prévenir du danger. Quand l'Église dit qu'il n'y a pas d'élection, mais je venais de suivre le porte-parole de la CENI qui dit laisser de déranger les têtes de la population. Nous, Seigneur, nous sommes prêts et tous les matériels sont déjà prêts. Et maintenant, aujourd'hui, on dit, l'Église qui ne gère même pas un seul fichier de la CENI dit, non, c'est comme s'il n'y aura pas élection. Ça, c'est déranger les têtes. C'est vouloir donner
la voie à l'ennemi. Donc, comme l'église, vous savez, elle a ses fidèles partout qui savent lire les signes du temps. Donc, quand l'église se prononce, il faut admettre soyons véridiques. Il y a tout de suite là à la RTNC, on venait de balancer même les images. Quand on est en train même de décharger les kits à Lubumbashi. À Goma, il y a cela deux semaines. Et vous voulez que l'église aille dire à la population que non, ces kits-là, ce ne sont que des pierres qu'on est en train de décharger. Ce ne sont pas des kits de la CENI. Ce sont des pierres. Mais quand même, l'église doit être claire. Mais pourquoi en fait, l'IDP semble s'attaquer à l'église catholique? Ce n'est pas surtout au cardinal. Soyons quand même sérieux. Est-ce que vous avez déjà appris que le parti de PES aujourd'hui a pris même la parole contre la parole de l'église? Oui, on a suivi. Non. On a suivi. Le parti, c'était. C'est la CENI seulement qui dit que. Comment l'église est en train de se tirer dans nos affaires? On a suivi même quand ça a dit quand même une chose, le cardinal l'a recadré, on a suivi sa vidéo. Non. Kazadi comme ministre de l'Intérieur, mais le parti comme Kabuya et les autres sautent. On ne s'attaque pas comme aux hommes de Dieu. Ils se taisent. Il n'y a pas d'homme de Dieu. Même moi, je suis homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est qui? Tout simplement pasteur. Mais un homme de Dieu, c'est celui qui est fidèle. Un homme de Dieu, c'est lui qui est fidèle à Dieu. C'est ce qu'il fait. Mais un cardinal qui trompe les gens qui n'ont pas, il n'y a pas élection, alors que les élections auront bel et bien le 20, il est comme lequel homme. On a vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est des fesses ou les talibans, je ne sais pas, qui semblent même qualifier les cardinals de vouloir. D'ailleurs, il serait en train de jouer le jeu de l'ennemi, c'est ça même. Il est en train de jouer le jeu. D'ailleurs, c'est comme s'il est en train de faire l'opposition. C'est comme si c'est lui. D'ailleurs, si Katumbi le disait, moi j'allais comprendre. Fayoulou, oui. Mouzito, oui. Mais l'église au milieu du village, non. Imaginez. C'est comme s'il y a une rivalité des femmes entre Fati et Ambongo. C'est comme s'ils ont connu une même femme, alors ils sont en train de se rivaliser pour cette femme-là. Non. Ezama Kamboyamboka. Nous devons suivre ça, nous devons privilégier d'abord les intérêts de la nation. Au lieu des intérêts privés, des intérêts personnels, des intérêts individuels. Mais bon, imaginez si aujourd'hui il y avait aussi une crise à Kinshasa parce qu'un chef de l'église a mal orienté la population. Qui allait payer les pots cassés? C'est-à-dire que c'est pourquoi Chole, Abbé Chole, Tolingi Omingi, Sala Losambo, paye. Yebisa peuple qui bosembo et le qui bah individu. Vous êtes fâché contre les politiciens. Je ne suis pas, je ne peux. Un politicien. Parce qu'il dit la vérité. Un politicien ne se fâche jamais. Mais il dit la vérité les cardinaux. Un politicien ne se fâche jamais. Mais un politicien c'est quelqu'un qui oriente. C'est leader. Si lui-même allait qualifier les Rwandais, mais ça c'est trop quand même. C'est lui qui a parlé de cette manière là. Bon, il est allé très loin. Vous dites qui? Il est allé très loin. Non, il est allé très loin. Ambongo n'est pas rwandais, mais il est en train de faire l'opposition. Au lieu de faire ce qu'on appelle il est au milieu du village. Le juste milieu, le centriste. Il doit faire le centrisme. Mais lui, il est en train maintenant de faire l'opposition. L'église doit apaiser la population, doit s'apaiser parce qu'Ambongo va aussi voter. Et ce n'est pas pour qui il va voter, mais il va d'abord. Le 3, hein? Bon. Tant pis pour lui. Qu'il aille à 25, 21, 20, 24, ça, bon, c'est selon lui. Mais il doit apaiser les fidèles et leur orienter que le 20, nous devons aller aux élections. Mais dire qu'il n'y a pas d'élection, ça, c'est vouloir déranger cette. Même fidélité de l'église, qu'ils appellent même fidélité épiscopale. Il ne doit pas se dire dans les affaires politiques d'une manière hasardeuse, d'une manière désorganisée. Normalement, l'église, c'est un partenaire privilégié de la gouvernance. Et c'est pourquoi on lui donne des honneurs. Mais quand il est désorienté de la population, moi je dis, finalement, c'est comme si. Cet homme, est-ce qu'il ne filme pas peut-être le soir? Est-ce que
Est-ce qu'il ne prend pas de whisky peut-être le matin avant d'aller à l'église? Bon, peut-être, en tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser. Alors que la CENI est en train d'orienter les gens, et l'église se dit non, bon, se réveille comme ça, dit n'importe quoi. Mais conseil est gratuit. Je sais très bien que nombreux vont me suivre. Et d'ailleurs, c'est de Goma. Je vois l'évêque Willy Ngumbi. Je sais que vous allez aussi me suivre. Essayez d'accompagner le processus électoral jusqu'à ce que nous, à faire de Goma, malgré les souffrances que nous endurons à cause de la guerre qui est à côté de nous, il ne faut plus vous mêler aussi dans ces histoires. D'accord. Comme votre chef. Merci beaucoup, Georges. On parle de sécurité. Ce matin, il y a eu reprise des affrontements depuis hier soir entre les forces armées de la RDC dans les Kilolis où l'M23 accuse l'armée congolaise d'avoir attaqué ses positions dans cette zone. Accusé d'avoir attaqué dans cette zone, c'est rigolo, non? C'est rigolo. M'excuse. Attaquer quoi? Je pense que bon, nous sommes dans l'ambiance de la guerre. Cette guerre là, elle se fait chaque jour. Nous, notre objectif, notre vision est que les M23 se retirent de tout l'espace et qu'ils s'en aillent de là où ils sont venus, c'est tout. Dire qu'ils ont été attaqués, d'ailleurs, ils ne sont pas encore attaqués. Le moment viendra où ils seront bien maintenant, bien attaqués. Je sais très bien, ils seront bien, très très bien attaqués. Et de partout, je le sais. Mais à Kilolio, ce n'est qu'un avant-goût. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Ah oui. C'est dans les profonds secrets de l'armée. Je ne saurais même pas le dire, mais je sais très bien qu'ils seront attaqués. C'est au deuxième mandat ou bien avec un nouveau? Non. Pour la République, pour l'armée, il n'y a pas de mandat. Non, quand même, savez, l'armée, même si on changeait Félix aujourd'hui, l'armée va toujours continuer à faire son travail. Mais il faut qu'il y ait un commandant suprême. Hein. Quel que soit ce titre-là, l'armée ne cède pas. L'armée, c'est une armée républicaine, c'est une armée qui fait le travail de la République. Alors vous attendez les nouveaux pour attaquer, c'est ça? Quel nouveau? Il y aura un nouveau? Je pose la question. Juste, croyez-vous qu'il y aura vraiment un nouveau, à part l'acier qui est là? Qui? Tshisekedi. Il s'appelle Tshisekedi. Le fils du sphinx de l'Imété. Celui-là, au moins, il est à Bounia. On m'a appris qu'il est à Bounia. Il y a les amis, les frères c'était qui m'ont appelé à Bounia. Il a été accueilli la nuit pour essayer. La soirée là, et aujourd'hui, il est en train de faire le meeting et les amis me disent: nous avons fermé toutes les boutiques, toutes les rues, même les écoles. Nous sommes allés. À Bounia, il a même dit qu'il faut d'abord revenir sur ses déclarations. Avant qu'on en parle, il faut qu'on revienne sur ces images, Georges. On a vu les images d'abord. On va revenir sur la déclaration de Tshisekedi à Bounia. On commente un peu ces images. L'armée rwandaise renforce les M23 en effectif sur les lignes de front. Désormais avec des mercenaires Vla, donc il y a des Bazungu déjà là. Ces hommes ont été en tout cas aperçus grâce aux images prises par les drones des femmes. C'est les drones qui prennent que des images mais qui n'attaquent pas dans les territoires des massifs. Et c'est là après en tout cas d'énormes pertes des hommes du M23 depuis quelques jours. Ah, merci. Vous venez de le dire. Merci Justin. Mungu akubariki. C'est pas mal. Les images sont là. Oui. Ouais. En fait. Ils finiront toujours ici. Mes amis m'ont toujours dit que les Rwandais sont en train de constituer l'engrais pour l'agriculture de demain. Et c'est juste. Wow. Ça, c'est vrai. Et nos drones, là, ils filment, c'est pour les mariages. Mais vous dites, il y a une perte. Bon, perte de quoi? Les drones sont là pour localiser, pour orienter les tireurs. C'est quel genre de drones? C'est qu'on voit ici ou bien des drones militaires? En fait, les drones. Je pense que vous connaissez. Tshisekedi l'a dit, il y a des drones bombardiers, il y a des drones pour la localisation, il y a des drones aussi pour le filmage. Pour les barrières. Pour le filmage. Ah, d'accord. Pour le filmage, je le répète. Bon, en fait, Tshisekedi, c'est l'homme qui est venu pour le salut. Et nous devons le reconnaître comme ça. Maintenant que la paix est rétablie, nous nous concentrons à d'autres actions de développement dans cette province.
Accordez-moi un deuxième mandat et vous verrez comment nous progresserons dans tout ce que nous avons entrepris. La priorité sera de lutter contre le chômage. Nous avons créé des agences qui encadreront les jeunes entrepreneurs et leur accorderont des fonds pour le développement, pour développer leurs projets. Déclare Félix Tshisekedi en promettant encore à Bounia. Il n'a pas promis. Il a dit nous avons créé. Nous avons créé des agences. Mais d'abord, on commence. Nous avons créé. Y a-t-il la paix à Bounia? Je pense que la conjugaison est bien. En Ituri, la paix n'est pas à 100%. Lui, il dit que la paix oui, est déjà mais au moins, de la manière dont la province était déjà sous l'emprise de l'ennemi, on rappelle au moins, aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, au moins dans la province de l'Ituri, 80% du territoire est sous contrôle des FARDC. Je vois la seule partie qui dérange actuellement, c'est la partie à cheval entre le territoire de Beni et le territoire d'Irumu. Le président n'a pas mal. Et là il y a encore des problèmes. Hier, avant-hier, on a tué encore les gens vers Beni, toujours dans cette partie-là. Mais en réalité, à grande partie, la paix est déjà là. C'est comme je vous ai toujours dit qu'à Beni, au moins, la grande partie du territoire de Beni est déjà en paix. Et vous savez, la paix n'est pas comme un arbre coupé, planté. Et puis le lendemain, ça croit. La paix, c'est un processus, c'est une construction à la longue haleine. Vous devez aller du jour au lendemain. Et surtout que la province de l'Ituri, nous qui la connaissons, elle a subi des guerres qu'on appelle des guerres tribales, des guerres entre les communautés. Les Hema, les Lendu, les Nkiti, les Bira, les Koso. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas facile de tisser encore des tissus qui étaient déjà déchirés. Vous reconnaissez quand même qu'il n'y a pas eu l'établissement de la guerre. En tout cas, devant mon Dieu, ça pour ça, paix, non. Donc le président Tshisekedi a... Non, il a quand même dit la paix déjà en train de revenir. Mais là, non, ce n'est pas ça en effet non, ce jour. Non. Ne transformez pas les propos du chef de l'État, cas, c'est finissable. Non, et le chef... Il a bien précisé que la paix est là. Oui, la paix est là. Donc, il a dit la paix d'une manière générale. Mais d'une manière particulière, il y a quand même certaines particularités, certaines localités qui sont quand même particulières, là où il y a encore des postes de sécurité. Je voudrais rappeler à tous que notre pays est encore confronté à une guerre d'agression. Si des candidats, hommes ou femmes, souhaitent intégrer l'armée ou la police, je les encourage vivement à le faire. Au cours de mon deuxième mandat, promettant encore, j'augmenterai encore davantage les salaires des militaires et policiers. Effectivement. Il a promis. J'augmenterai. Comme oui, il a augmenté, j'augmenterai encore. C'est-à-dire, d'abord, il a donc augmenté. Il a augmenté et puis il augmentera encore. Il a déjà augmenté. Ça, c'est le français. Oui. Les stylistiques il disent a ceci. Il a déjà augmenté. Bien sûr, c'est le français qui l'a dit. Les militaires, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de divulguer le salaire déjà, mais au moins les militaires. Vous avez. Public, même pour le chef de l'État, vous avez vu dernièrement les militaires venir de la formation. Ils ont réellement versé des francs congolais dans la population gomatracienne. Au moins tous les jeunes, je le dis, tous les jeunes de Goma. Oh, même l'envie d'aller faire l'armée. Chaque militaire reçoit 1 300 000 francs congolais. C'est combien dollars? Environ 700 dollars. Bon, environ 600 dollars. 600. Vers 600. D'accord. Bon, qu'est-ce qui ne marche pas avec l'Union européenne? Les observateurs vous mettent pression. En fait, l'Union européenne. Que j'ai salé moi, comme vous, bon, ok, on vous comprend. Vous savez, les oiseaux se reconnaissent par le plumage. en fait, l'Union européenne. Ils savent qu'il n'y aura pas élection. C'est une institution actuellement qui est à décadence. C'est une institution qui ne sait plus comment tenir. Imaginez les gens, ils disent comme nous allons faire l'équipe d'observation. Le gouvernement congolais doit nous permettre de venir avec même nos satellites pour surveiller
pour observer pour observer seulement les élections, comment elles vont se dérouler. Est-ce qu'un jour, quand il y a élection en France, on a déjà invité l'Union africaine pour aller surveiller les élections là-bas et venir avec tout l'équipage que vous voulez? Ils doivent nous respecter, ces gens-là, quand même. C'est comme si ils sont des super hommes, mais nous sommes des sous-hommes. S'ils veulent, est-ce qu'un observateur a quelque... Il faut qu'il y vienne avec des matériels. Seulement observer. Qu'est-ce que signifie le verbe observer? Je pense, observer, vous voyez, tranquillement, sans rien faire. Merci et beaucoup. Pourquoi maintenant venir avec des satellites? On finit par pour vouloir question. Briller nos élections. On finit par ils doivent question. Rester dans leur chien. Est mort déjà. Les pouvoirs ont l'acquis d'avoir tué un cadre de l'amour, disons, quel de pouvoir, quel et d'ailleurs, pouvoir, la dernière déclaration de Kassoubi, il dit ceci, après l'attaque qui a fait un mort lors de son arrivée à Kindu, quel Moïse Katumbi prône le pardon et la non-violence. Aha. L'homme de Dieu. Mais il est en train de tuer les gens à Malembankoulou. On parle des morts à Kindu. Ah, quand c'est Malembankoulou, il faut se taire. Mais quand c'est à Kindu, il faut hausser le ton. On a vu même les images, les avocats Katumbi, sont venus dans la rue. Achaoujanja, Kouamoutouzima. Il y a des avocats qui manifestent contre les meurtres de leurs collègues lors des heures survenues mardi dans la mythique de l'opposant Moïse Katumbi. Je pense que quand il y a toujours une élection, il y a toujours des incidents comme ça qui arrivent. Ce sont des avocats qui marchent. Effectivement, c'est de leur droit, c'est constitutionnel. Mais moi, je n'ai pas vu un seul avocat marcher parce qu'on a tué les gens à Malembankoulou. On a tué les de l'air. Même si c'est juste journaliste, les avocats ont toujours le droit de manifester. Moi, je ne suis pas avocat. Mais tu es Congolais, Tabou. Le sang que vous avez, c'est mon sang. Hein? Et vous, pourquoi vous ne manifestez pas? Non, vous savez. Tout d'abord, même ces micros que je suis en train d'utiliser, c'est déjà une manifestation. Je l'ai toujours dit, je mérite quand même une récompense. Vous savez, merci, c'est donnez votre numéro. Ce n'est pas facile de faire ça. Numéro de téléphone, Georges. En fait, je suis au plus 243 9 79 27 31 68. Merci beaucoup Georges, merci d'avoir été là. Mais je vois comment les je suis candidat même. Je vois Namoni Baba combattant Baba Lembi Baba l'Olympiaka même pendant la campagne électorale. Baba combattant Baba. L'Union sacrée n'a pas débloqué de l'argent apparemment. Georges, la question pour finir. Esengo, Esala, Esala est belle la carte à mitima la. L'Union sacrée n'a pas donné l'argent au candidat, c'est ça? Non. Piaka, Georges. Ça je ne sais pas. Je ne sais même pas. Vous êtes candidat, vous aviez reçu une enveloppe. Mon enveloppe est en route, mais elle sera là. Merci. Fait de cette entretien. Ils ont compris qu'il n'y a pas l'argent. Notre campagne commence le 4. Les députés, je ne crois pas. Moi, je suis pas je suis candidat à la conseillerie municipale. Té bana esengo bato fati numéro 20. 20. Fati ben. Oki, oki. J'ai vu derrière qui a fait 3, je sais pas, je comprends pas. Qui mesdames et messieurs, rien, ça ne fait jamais. Monsieur le numéro, bye bye.